Mademoiselle, je tiens à vous rassurer, je ne vous draguerai pas. Voilà. Non, je vous dis ça parce que, vu de l'extérieur, toutes les conditions sont réunies pour que, a priori, je vous fasse un grand numéro de charme. Je veux dire, bon, vous êtes très très belle, vous êtes assis toute seule à la table, là, manifestement. Moi, je ne compte pas parmi les plus moches, je crois même que je plais beaucoup. Bon, en plus, je me suis comme par hasard assis à côté de vous. Que ce soit clair entre nous, c'est une pure coïncidence. Non, non, je sais que vous avez rien dit, mais c'est dans le souci de vous tranquilliser que, par exemple, je vous dis que j'ai aucune intention de vous ramener chez moi ce soir. Bon appétit. À la limite, même, je veux dire, si ça peut vous arranger, si quelqu'un vient vous importuner, vous pouvez très bien me faire croire que je suis votre petite amie. Ça ne me gêne pas autre mesure, je veux dire, je jouerai le jeu, c'est pas vrai. Vous avez pris quoi, hein? Thomas Concombre? Ah oui, non, moi j'aime pas la crudité. Non, moi je vais prendre un avocat crevette. Avocat crevette, ça doit être bien ça. Hein? Eh, vous savez pas, bien sûr. Non, je vais prendre ça. Hein? Et puis qu'est-ce qu'on risque? Et puis qu'est-ce qu'on risque? Eh ben rien, bien sûr. Après, vous avez pris quoi ensuite? Non, ça peut m'aider dans mon choix. Confit de canard? Oh là là, non, pas du tout. Non. Oh là, trop lourd. Trop lourd? Non, moi je vais m'arrêter sur des brochettes de volaille. Hein? Voilà, écoutez, je vais prendre avocat crevette et puis brochette de volaille. Hein? Pardon. Je vais prendre avocat crevette et brochette de volaille. Et puis un quart de rouge. Et puis vous servirez un apéritif à la demoiselle. Non, vous n'en prenez pas? Bon, écoutez, non, on ne va pas prendre l'apéritif finalement. On va s'arrêter là-dessus. Dites-moi, si pour faire fuir les raseurs, vous préférez que je vienne dîner à côté de vous, je les trouve pas... Non? Très bien, non, je comprends. Finalement, vous n'êtes pas contre finalement de faire des rencontres. C'est pas... Non plus. Eh bien, écoutez, je suis là. Si vous me cherchez, je suis là. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin, c'est pas... Il y a des mecs qui doutent de rien. Moi, j'ai vu de ces trucs dans des restaurants. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, je me permets d'intervenir. Parce qu'alors, je sais, une femme est seule, elle se fait emmerder. Vous avez remarqué, c'est incroyable. Ça me fout hors de moi. Un mec seul, non. On le laisse tranquille. On le laisse tranquille. Vous avez remarqué, depuis que je suis ici, aucune femme n'est venue m'aborder. Vous non plus, mais ça vient du fait que le restaurant n'est pas fréquenté. Mais je sais que dans la tête de la majorité des mecs, une femme seule est une femme disponible. Et c'est faux. C'est faux. Moi, je vous, par exemple, vous êtes seul. Bon, eh bien, si ça se trouve, vous attendez quelqu'un. Si ça se trouve, vous êtes fait plaquer. Si ça se trouve, vous êtes lesbienne. Je veux dire, je sais pas. Le pourcentage pour que vous soyez venu ici pour vous faire draguer est minime. C'est quoi? C'est 10, 15%. Ben, 0% peut-être, pourquoi pas. Pas exagéré non plus. Mais je veux dire, les mecs s'en foutent. Les mecs s'en foutent, ils viennent là pour faire du rentre-dedans, excusez-moi l'expression, je veux dire, finalement. Non, mais il faut parler de ça, il faut parler de ça, parce que si vous ne réagissez pas, vous allez vous faire bouffer tout cru. Comprenez? Ah, mon avocat crevette, merci. Finalement, les tomates de concombre, c'est beaucoup plus long, hein? Ouais. Non, mais vous comprenez? Je dis ça parce qu'il faut que vous vous protégiez. Mais vous, manifestement, vous n'avez pas trop l'habitude de vous faire emmerder, parce que vous avez quand même un sacré culot de faire ce que vous faites. Si, excusez-moi, je veux dire, il est quand même 10h du soir, vous êtes toute seule, on peut pas dire que vous êtes habillée en bonne sœur. Je veux dire, c'est quand même à la limite de la provocation. Si, écoutez, non, je dis pas que ce soit conscient, non. Écoutez, mademoiselle, allons, mademoiselle, s'il vous plaît. Je veux dire, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir non plus. Je veux dire, le coup de l'innocence, on l'a déjà fait aussi. Non, écoutez, oui, partez. Si, qu'est-ce que je dis quelque chose. Oh là là, elle monte sur ses grands chevaux, mademoiselle. Mais si je vous emmerde, sachez que vous m'emmerdez vous aussi. Pétasse. Ouais, c'est ça, ouais, casse-toi. Je crois pas ça. Mais, tranquille dans un restaurant sans se faire agresser par des bonnes femmes en chaleur. C'est génial.